Je suis à Lagan, précisément de Jacquesville, puisque c'est la seule jeune de Lagan. Chez nous, il y a un proverbe qui dit Gianjaka Kosoke Michi, ce qui signifie petit à petit, le poulet boit de l'eau. On l'emploie dans des moments les plus difficiles, quand tu te sens un peu vexé et tu te sens un peu frustré. Et en ce moment-là, ce proverbe se vient à la tête. Souvent, quand tu es en face d'une difficulté, qu'il y a quelqu'un qui te parle, un sage veut te parler pour t'encourager. Il emploie ce proverbe pour te dire que Gianjaka Kosoke Michi, ça te dit sois patient. Ton moment viendra. Chez nous, en Baoulé, il y a un proverbe qui dit c'est à ou encore assez à quoi tonfler. Ça veut dire tantôt, il y a des jeunes qui ont la tendance de dire est-ce que les parents se soucient de moi? Est-ce que les parents se soucient de moi? Cela veut dire tout simplement si tu vois une poule, tu as pensé que la poule là, elle ne transpire pas. Pourtant, la poule qu'elle a là, elle transpire. Je suis Niaboua. Je viens de Zoukoubé. Il y a un proverbe de chez nous qui dit Ndou Niabou Niapo, Bo granane yon bli letenamoa, adale piomli. On ane yé letenamoa, adatole piomli, détoti, oye yon. On dit le masque là, il vient chez toi pour danser. Il danse chez quoi dehors? C'est chez toi, il va venir danser. Chez nous les bétés, il y a un proverbe qui dit et katoka non ka momi kuta la lene et kajo. Cela signifie quand tu as un père et qu'il t'appelle trois fois, c'est que c'est un sens très profond. Ça veut dire tout simplement que il veut te prévenir d'une situation désastreuse que tu es en train d'emprunter.